Bah te voilà, Julie, dépêche-toi, on va rater les pubs. Attention, il y a une petite fille qui est attachée à ta main droite, regarde. Oui, alors en fait, c'est pas qu'elle est attachée, c'est que c'est moi qui l'amène. Quoi? Mais t'es qui, toi? Juliette. Juliette. Oui, alors c'est la fille du rédac chef qui m'a coincée à la sortie du bureau pour me dire oui, voilà, j'ai une réunion, nanana, ma femme est pas là pour garder la petite, on peut pas faire autrement. Si je voulais continuer à travailler sur l'émission, bah je pouvais bien rendre un service, quoi. Mmh. Pas le genre. Non, je vois pas le genre, parce que ça, c'est du chantage. Mm-hmm. Mais on devait aller voir Killing Girl Zombie 2, on peut pas emmener une gamine, enfin. Si, moi j'ai vu le 1 et j'aimerais beaucoup voir le 2, s'il vous plaît. Oublie. Qu'est-ce qu'on va faire de cette petite, quoi, franchement? On peut aller au parc, ils aiment bien les enfants dans ce genre d'endroit, non? Ah, attends, j'ai mon téléphone qui sonne. Quoi? Attends, non, Julie, juste Julie, une non. Seconde. Julie. Oui? Juliette, c'est ça? Oui. Ok. Tu sais faire des bruits de prout avec ta bouche? C'est toi, Sandra Lou? Ouais, c'est ça. Je vais là, à la télé. Oh, Sandra, tu vas me tuer, tu le croiras jamais. J'ai eu... Enfin, il faut vraiment... Anna, épargne-moi tes excuses bidons. Tu vas pas me laisser toute seule avec la petite Justine, là. Juliette! Oui, bah c'est pareil, on s'en fout, là. Je vais donc me taper du babysitting toute seule, hein, c'est ça, j'ai compris. Oh, merci, Sandra, je savais que tu comprendrais. Je t'en voudrais ça, t'es une chouette fille. Oh. Julie! Tu veux faire quoi? Tu vas aller au parc, manger une glace, faire du shopping? Aller au parc, en mangeant une glace et en faisant du shopping. Ok, bah suis-moi, Jérôme, on y va. Juliette! Sandra, bah t'es toute seule? Elle est où la petite? T'inquiète, je l'ai confiée à Xavier, tu sais, le caméraman barbu là. Ah oui, le hipster, ouais. Ouais, c'est ça. En fait, je lui ai dit que s'il voulait continuer de bosser avec nous, il avait plutôt intérêt à me rendre service. Tu n'as pas fait ça. Ah la garce. Eh non mais regarde, il se débrouille plutôt bien pour un mec, hein. Ouais, je gère. Super. Reviens, je te dis, reviens. Oh là là. Il est pas mal, hein, comme babysitter. Un peu du genre Eddie Murphy, tu sais, dans l'école paternelle. Un plus barbu quand même. Ouais. Reviens.